Voilà, chers fidèles, d'abord, un petit mot d'explication. Comme l'Église demande d'expliquer les cérémonies avant qu'on les fasse. Donc aujourd'hui, la fête, assurez-vous, la fête de la purification, cette fête a plusieurs noms finalement. Concernant la Sainte Vierge, c'est la purification. Concernant notre Seigneur, c'est la présentation de Jésus au Temple. Et concernant ce qui est plus dans la mémoire des fidèles, c'est la chandeleur. C'est la bénédiction des cierges et la procession. Mais c'est effectivement tout cela, n'est-ce pas? C'est une fête donc de notre Seigneur, la présentation de notre Jésus-Christ, la Sainte Vierge, en même temps. Alors, le fruit du mystère, c'est l'obéissance. L'obéissance à des cérémonies de l'Ancien Testament auxquelles Jésus et Marie n'étaient pas obligés. Parce que, est-ce que la Sainte Vierge devait être purifiée? De quoi? Normalement, du passage, de la transmission du péché originel par la procréation. Et voilà, donc, suite du péché d'Adam et Ève, Adam avait péché une fois et Ève deux fois. Ève a péché et a séduit son mari. Donc, pour le garçon, il fallait donc le présenter après 40 jours. Et la purification pour une fille, c'était le double. Voilà, c'est à cause de cela. Un péché, deux péchés. Deux péchés, c'est le double d'un péché. Donc, 40 jours ou 80 jours, n'est-ce pas? Pour une fille. Donc, nous sommes 40 jours après Noël, après la naissance d'un enfant mâle. Donc, il fallait le présenter au temple et la mère devait être donc purifiée. Mais, quelle obéissance, car la Sainte Vierge Marie, elle va dire au XIXe siècle, et on le sait, c'est un dogme qu'elle est pure, qu'elle est immaculée, immaculée dès sa conception, immaculée conception. Donc elle ne devrait pas être purifiée parce qu'elle n'a pas transmis ce qu'elle n'a pas eu elle-même. Elle n'a pas eu le péché originel, et bien sûr le Seigneur Jésus-Christ n'a jamais contracté le péché originel. Mais c'est pour donner l'exemple de l'obéissance, comme vous savez. Et ensuite, les contemporains ne savaient pas que la Sainte Vierge Marie était la Mère de Dieu et que cet enfant était le Fils de Dieu incarné. Donc ce serait sans scandale pour ne pas faire la cérémonie comme c'était obligatoire. Donc, la Sainte Vierge Marie et Jésus, et Saint Joseph, bien sûr, qui se soumettent à cette double cérémonie, voilà, comme un exemple, encore un acte d'humilité. D'humilité, et voilà quelle délicatesse de se soumettre à des cérémonies qui ne seront pas vraiment strictement dues, obligatoires, mais de le faire pour ne pas scandaliser les faibles. Donc il faut tenir compte de la faiblesse des autres dans ses actes. Par charité fraternelle. On ne peut pas scandaliser les faibles dans la foi. On ne faut pas tenir compte du scandale des pharisiens. Parce que les pharisiens scandalisent à tout. À tout, même à tort et à travers. Ils scandalisaient que Jésus faisait manger ses disciples le dimanche, enfin le sabbat, le jour du Seigneur, de prendre des graines dans les champs quand ils avaient faim. Ils avaient le droit de faire ça, c'est pas du vol, c'était prévu par la loi juive, la loi de Javé donnée à Moïse. Et il était accusé de ne pas faire les cérémonies avant la nourriture, avant prendre la nourriture, parce qu'il n'avait pas l'occasion de le faire, hein, étant en voyage. Ne pas faire les lavements, etc., prendre les bains, etc.
Il dit, ce qui souille l'homme, c'est surtout ce qui sort de la bouche. Ça veut dire ce qui vient du cœur. Parce qu'il entre la bouche, ça veut dire la nourriture, ça ne souille pas tellement l'homme. Si ce n'est pas fait selon la loi de manger parce qu'on n'a pas l'occasion, alors c'est ce qui souille l'homme. C'est surtout la méchanceté, n'est-ce pas, des pharisiens qui calomnient, qui refusent de croire. Alors, voilà. Maintenant, je parle des cierges, n'est-ce pas? Pourquoi cette fête est appelée la chandeleur? Chandeleur vient du chandelier, de candela, ça veut dire la cierge. Parce que l'Église, comme vous savez, bénit aujourd'hui les cierges d'une manière extraordinaire. C'est la plus longue bénédiction de cierge, parce qu'il y a une bénédiction pendant l'année qu'on peut toujours bénir des cierges de toute matière. Mais ceux-ci sont des cierges donc liturgiques, donc comme j'ai dit, annoncé dimanche, des cierges liturgiques qui sont utilisés pour la liturgie, comme sur l'autel et maintenant en procession, doivent être de cire. Le cire d'abeille, c'est dans le texte de bénédiction que vous avez, qu'on fait appel à l'abeille, qui est un symbole de plusieurs vertus de notre Seigneur Jésus-Christ, du zèle, la chasteté, etc. Donc, j'en ai parlé dimanche, il me semble. Alors, les cierges ont donc une plus grande grâce que ceux qui sont bénis dans l'année, parce que la cérémonie est plus importante, bien sûr. C'est comme l'eau pascale, qui est béni par une très longue cérémonie, une très forte bénédiction, et qui est plus forte que l'eau bénite pendant l'année. C'est normal. C'est normal. Donc, c'est une bonne coutume d'apporter les cierges, comme vous avez fait, n'est-ce pas, que vous allez utiliser pendant l'année, de, par préférence, les faire bénir aujourd'hui, que plusieurs de vous ont fait, n'est-ce pas. Donc, on bénit des cierges qu'on va porter à la procession et qu'on fait brûler à l'autel et qu'on conserve à la maison pour y attirer les bénédictions célestes, surtout à l'heure de la mort. C'est exprimé par le texte la bénédiction, n'est-ce pas? Alors, pour commencer, ces cierges bénis et allumés nous représentent Jésus-Christ. Donc, ils sont allumés, bien sûr, pendant la procession, pendant l'évangile et pendant le canon, n'est-ce pas, à partir du Sanctus jusqu'à la communion du prêtre. On peut allumer les cierges et tenir dans vos mains pour justement justifier que Jésus est lumière quand il parle, c'est l'évangile. Ça veut dire lumière, ça veut dire donne connaissance de Dieu par sa prédication, et le canon, et c'est le sacrifice de la croix, il est la lumière du monde parce qu'il ouvre le ciel, n'est-ce pas? Et Dieu est lumière, Dieu est feu, n'est-ce pas? Il ouvre la voie, n'est-ce pas? Il ouvre la voie vers Dieu, lumière, intelligence et amour, vérité. Surtout par le sacrifice de la croix, n'est-ce pas? Il applique ce qu'il prêche, n'est-ce pas? Ce n'est pas seulement des mots. Dans sa passion, il a exercé toutes les vertus. Incroyable. Comme la patience dans les épreuves, l'humilité, pardonner ses bourreaux, comme il dit, il faut pardonner ses ennemis. Il a mis en pratique toutes les vertus les plus difficiles, n'est-ce pas, lui-même. Donc, dans l'Évangile, on entend sa doctrine, mais le sacrifice, c'est l'application de sa doctrine. C'est encore plus fort, finalement. C'est plus difficile de faire que de dire. Donc, la lumière présente notre Seigneur Jésus-Christ, appelé par Siméon, le vieillard, qui le reconnaît par l'inspiration du Saint-Esprit, parce qu'il voit deux pauvres hommes, enfin, un couple, de pauvres humains, Saint Joseph et sa Sainte Vierge Marie, un petit enfant,
Rien de spécial, les gens du peuple apparemment, pauvres, ils reconnaissent le Messie. C'est par une inspiration, la même inspiration qu'on va avoir les rois mages. Parce que les rois mages, n'est-ce pas, vont aussi venir dans cette époque. Et c'est après qu'ils vont partir, la Sainte Famille va partir en Égypte pour échapper à la persécution d'Hérode. Alors ceci, cet événement se fait avant ou après la venue des rois mages. On ne sait pas, ce n'est pas important. En tout cas, ils ont la même grâce, Siméon, Anne et les rois mages, de reconnaître. Et les rois, bien sûr, les rois ont vu l'étoile. Pour les bergers, c'est encore le plus facile parce qu'ils ont vraiment entendu le message donné par les anges que c'est Dieu, n'est-ce pas, le Fils de Dieu qui va naître. Notre Seigneur, donc, est la véritable lumière. Enfin, lumière, ça veut dire... la lumière est un symbole, finalement, pour la vérité. Parce que si la lumière nous fait voir des choses, nous voyons par la lumière. S'il n'y a pas de la lumière, on ne voit rien avec nos yeux du corps. Donc la lumière, c'est par quoi nous voyons les choses, la réalité. Et c'est un symbole pour la vérité, par laquelle nous comprenons la vérité, la réalité, dans les choses de Dieu, n'est-ce pas, qui est esprit. Donc la lumière, c'est qu'il y a la lumière pour le corps, pour les choses sensibles, pour l'œil. La grâce, n'est-ce pas, Jésus-Christ, la vérité. Jésus est vérité exprimée en Dieu, n'est-ce pas? Il est la lumière. Il est en Dieu la vérité, donc le Verbe. Eh bien, dans ce sens-là, il est lumière, la véritable lumière, beaucoup plus importante que celle par laquelle nous voyons les choses sensibles. Donc Jésus est la véritable lumière, c'est le Verbe de Dieu, la vérité incarnée, qui vient nous faire partager la vérité. Pour autant que nous en avons besoin pour faire notre salut, il ne peut pas dire toute la vérité, parce qu'on ne va pas la comprendre. Personne n'est capable de comprendre Dieu que Dieu-même. Donc, ce n'est pas possible pour personne de crier, de comprendre Dieu totalement, mais il va se faire partager autant que possible, par bonté, autant que possible, faire partager cette lumière qui vient de la vérité, de la réalité, et qui nous fait aimer, qui nous donne le Saint-Esprit. Donc, il est la vérité et la lumière qui vient en ce monde pour nous illuminer, pour chasser les ténèbres. Donc, si la lumière signifie Dieu, les ténèbres signifient le diable et le péché. Les ténèbres sont incompréhensibles. Le péché est incompréhensible. Nous ne comprenons pas pourquoi on pêche. On ne comprend pas. Il n'y a pas de raison pour pécher, et c'est tellement bête, n'est-ce pas, et on perd des choses d'une valeur infinie. C'est incompréhensible le péché, ce sont les ténèbres. Comme dans le noir, on ne voit rien, n'est-ce pas. Les ténèbres de l'idolâtrie et du péché, de tout péché. Donc il nous éclaire par sa doctrine et son évangile, saint évangile, par la voix des apôtres après, parce que par volonté il va déléguer. Ces ministres, tous les autres ministres, à part les apôtres, les évêques, les prêtres, les diacres, même les fidèles, vont témoigner, mais par manières extraordinaires de martyrs. Les martyrs sont les témoins, n'est-ce pas? Témoignent avec leur de la vérité, de la foi. C'est même par la sang de martyrs que des peuples se convertissent. Le sang des martyrs est la semence de la chrétienté. Donc, ces ministres envoyés à travers le monde, Jésus est venu pour tous, tout homme, pour annoncer et instruire toutes les nations. Il y a un travail maintenant. Hein. Nous sommes dans le temps d'apostasie, mais ça ne va pas durer longtemps parce que c'est invivable l'apostasie. L'homme est fait pour le ciel et pas pour l'enfer. Par ces divins exemples, nous enseignant la charité, l'humilité, la douceur, l'obéissance, la pauvreté, la patience, toutes ces vertus. Enfin, par sa grâce multiforme, selon nos besoins,
comme il a fait pour les Marges, pour la Madeleine, pour Paul et mille autres saints. Donc ces cierges représentent d'abord notre Seigneur Jésus-Christ et l'Église, donc tous les vrais chrétiens finalement, qui bénit et consacré par le baptême, et les autres sacrements doivent être, à l'exemple du divin maître, les flammes ardentes des lumières brillantes, tout embrasées au-dedans de l'amour de Dieu et éclairant au dehors, par leur bon exemple et leurs œuvres saintes, ceux au milieu desquels ils vivent, c'est-à-dire les chrétiens et les païens. C'est ce que saint Paul recommandait aux fidèles dans son temps. Vivez irréprochables et en véritables enfants de Dieu au milieu d'une génération méchante et perverse au sein de laquelle vous brillez comme les lumières dans le monde. Philippiens 2. Alors, il faut se faire un examen de conscience. Est-ce que nous faisons cela, n'est-ce pas? Ce que saint Paul nous demande au nom de Dieu. Alors, il faut essayer de réjouir, n'est-ce pas, le cœur de Dieu et des autres, des hommes de bonne volonté, et en édifiant par la beauté de la vie, par l'éclat des vertus et des bonnes œuvres, combien d'autres personnes? On ne va pas tout seul au ciel, n'est-ce pas? Heureusement. Il ne faut pas vivre comme des païens, comme si nous soyons des païens, nous étions des païens. En épaississant autour de nous le ténèbre du mal, plutôt, au lieu de contribuer à le dissiper. Donc surtout pas se livrer aux vices et aux abominations qui sont présentées par le monde actuellement, n'est-ce pas? Faisant blasphémer le nom de Dieu et méprisant notre sainte religion. Alors, voilà. Chers fidèles, admirons et imitons l'humilité, l'obéissance, la ferveur de Jésus et de Marie, et même Saint-Joseph, hein, qui sait aussi tout cela, n'est-ce pas? Il sait aussi que la Sainte Vierge était... Il était averti par un ange que l'enfant de Marie est le Fils de Dieu, le Dieu. Prenons à leurs pieds la résolution de vivre en vrais enfants de lumière, c'est-à-dire en connaissant la doctrine chrétienne et en la réalisant le plus possible dans notre vie, d'être des flambeaux répandant la lumière de la vérité, des fleurs exhalant la bonne odeur de Jésus-Christ, surtout par nos actes, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont ouvertes pour entendre la vérité, mais au moins, ils sont touchés par la bonté, n'est-ce pas? Comme dit saint Paul, il faut entasser des charbons ardents sur leur tête. Ça veut dire faire des bonnes œuvres pour qu'ils comprennent qu'il y a quelque chose de surnaturel derrière vous, que ça ne vient pas de vous, sûrement, parce que personne ne fait cela de soi-même, d'agir ainsi. Afin de faire connaître et aimer par notre vie sainte et de mériter ainsi d'aller jouir de lui dans les splendeurs de la bienheureuse éternité, avec autant le plus possible d'âmes possible que nous pouvons toucher, n'est-ce pas, et l'amener avec nous. Voilà, donc c'est les grâces de la liturgie d'aujourd'hui. Et si vous avez besoin de comprendre des choses, par exemple, vous épuisez votre catéchisme ou vous méditez, vous pouvez allumer un cierge, la chandeleur, qui donne cette grâce, n'est-ce pas, pour mieux comprendre la doctrine et de la vivre. Merci. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Donc, comme vous savez, on va d'abord bénir les cierges avec l'eau bénite et l'encens. Ensuite, on distribue le cierge. Le cierge, ensuite, on va faire une petite procession dans la cour intérieure. Et ensuite, il y a la messe à la chandeleur. Merci beaucoup.